السلام عليكم، مرحبا بكم معنا عاوتاني في القناة ديالكم مات ا ديستانس. اليوم غادي نهضروا على الجزء الأخير ديال الدرس ديال ليميت اي كونتينيتي. اليوم غادي نهضروا على لي فونكسيون راسين انيان أو دوال جذور نونية. بقاو معنا ما تشوفين. نبداو بالفونكسيون راسين انيان. عندنا بروبريتي اي ديفينيسيون. أول حاجة سواء n un élément de n étoiles, c'est-à-dire n qui appartient à n étoiles, c'est-à-dire il est différent de 0. D'accord ? Soit f, une fonction qui associe x à la puissance n, c'est-à-dire f de x est égal à x à la puissance n. Qui dit la fonction ? Elle est continue et strictement croissante sur r+. Elle est continue et strictement croissante. C'est-à-dire, elle admet une fonction réciproque. Donc, elle admet une fonction réciproque f moins 1 de f de r plus. Donc, il est quand f définit r plus, alors f moins 1 est défini sur la dire r plus par la fonction f. C'est-à-dire, elle est définie sur f de r plus, il y a r plus. D'accord? Car on zoléa f moins 1 de x, il y a la racine nème de x. Racine nème de x. D'accord ? Après, je vois les conséquences de la définition. La fonction f de x, la racine nème de x, bien sûr, elle est définie sur r+. Définie sur r+. C'est-à-dire 0 plus l'infini. Deuxième des choses, quel que soit x appartenant au domaine de définition de f moins 1, la r+, la racine nème de x est positif. Donc, il y a dit, quel que soit x appartenant à r+, la f de x, f moins 1 de x, positif. Troisièmement, quel que soit, x ou y, positif, je vous le dis, quel que soit x appartenant à r+, ou y, c'est-à-dire sur r+, on a l'équivalence. Il a, la racine nème de x est égal à y équivaut ou la équivalent h x est égal y à la puissance n. Bzaf plein de kanxdem qui jiou kidirou directement had l'équivalence. Rah ila ma adnach x ou y positif rah ma kanach dirou had l'équivalence. D'accord? Nchoufou la quatrième propriété. Adna la fonction racine nème de x est continue sur r+ est strictement croissante. Hatta hiya donc عندها la même ou les mêmes variations que f. D'accord? F de x est égal à x à la puissance n, elle est strictement croissante. Hatta f moins 1 est à la racine nème de x, elle est strictement croissante. Donc, je vous ils sont continus. Sinon, ma réponse, ma réponse, ma droite là, la fonction réciproque. Je vous rassure, comme ça, c'est ça. De même, à l'autre, si on a x ou y toujours positif, donc, il peut nous dire qu'il y a la racine nème de x qui est la racine nème de y. Il peut nous dire que x est égal à y. Attention à les conditions. X ou y, c'est ce que nous jugeons positif. Dernière propriété, quel que soit x appartenant à r+, et quel que soit le réel positif, il y a la racine nème de x supérieur ou égal à a, elle est équivalent à h, n à x, qui est supérieur ou égal à la puissance n. Donc, qui va se donner donc, de là à là. Qui va se donner là à la puissance n, non à la puissance n. Racine nème de x, il a fait à la puissance n, qui est à la puissance n. Parce qu'on a supposé que a positif ou x, bien sûr, est positif. Donc, c'est équivalent à h. Je n'ai la racine nème de x, le tout à la puissance n, c'est x. Supérieur ou égal à a à la puissance n. Qui me l'offre les propriétés. Donc, septièmement, quel que soit le réel positif, a, adna, il est adna la racine nème de x, c'est équivalent à h. Adna x, sera a à la puissance n. Ou bien sûr, x est positif. Que c'est la racine nème. Je vous mets maintenant.
il est là, sin x inférieur ou égal à a, donc dire à la puissance n, non, à la puissance n, n'achète rien, x inférieur ou égal à la puissance n. Et là, je donne directement x parce que la racine nème de x, là, donne à la puissance n, fait rien à x, ou bien sûr, là, à l'icône supérieure ou égal à 0. Et là, parce qu'on a supposé que a, là, il est positif. Il est quand a positif, là, a à la puissance n, tiens, positif. Je vais le dire. Quel que soit x positif, la racine nème de x, c'est-à-dire à la puissance n, est égale à... Quand on a la puissance, il y a x positif, on a la puissance de l'intérieur, à tous les racines nème de x à la puissance n qui est égale à x. C'est évident. Bien sûr, la limite de la fonction nème lorsque x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. هذه مهمة جدا هذا 11 مهمة جدا سي ليميت ديال اون فونكسيون u دو x est égal à plus l'infini bien sûr lorsque x tend vers واحد x 0 alors limite ديال la racine n-ième ديال هذيك la fonction u de x lorsque x tend vers x 0 le même هذا راه هذا donc حتى هي كتمشي la même limite اللي هي plus l'infini. Allez, qu'est-ce qu'on dit je t'ai marié. Et l'autre, le 12, Ardoulbel, si limite de u de x, c'est un L. L, ou la limite finie. X tend vers x0. Ou, zid ou la condition, à la limite, qu'est-ce qu'on positif. Alors, Ardoulbel, la limite de la racine énième de la fonction u de x qui est l l la limite de la racine énième de la limite d'accord récapitulons bizarrement si u de x qui est l l sachant que l positif alors la racine énième de u va la racine énième de l d'accord. Quand on voit la représentation graphique de la fonction réciproque f, allez, je vois quelques règles de calcul. Donc là, je vois quel que soit x positif et quel que soit y positif, alors la racine n-ième de x fois y, il y a la racine n-ième de x fois la racine n-ième de y. Quelle est la racine carrée? Quelle est la racine n-ième? Avec la condition x ou y sont les conditions positives, bien sûr. De même, pour le quotient, il y a une seule condition d'IL, y, les rachons de matin, donc y, il y a 0 en plus, qui est positif. Donc, c'est ce qu'on strictement positif. Donc, la racine n-ième d'IL, le quotient x sur y, il y a la racine n-ième de x sur la racine n-ième de y. Maintenant, troisièmement, quel que soit x supérieur ou égal à 0, quel que soit n appartenant à une étoile, ou p appartient à une étoile, la racine n-ième de la racine d'ordre p de x est égale à la racine d'ordre n fois p de x. Alors, quand on a une seule racine, ou quand on a les ordres, n fois p. D'accord? Bien sûr, c'est quand x supérieur ou égal à 0, ou p qui veut dire appartient à n étoile. De même pour n, qui appartient à n étoile. Je vous le ferai de même. Dans les mêmes conditions, x positif n ou p appartenant à n étoile, alors la racine n-ième n d'or np de x à la puissance p est égal à la racine n-ième de x. Elle dit à prouver qu'elle vient. Donc, on dirait une petite démonstration. D'accord ? Elle dit, on a, la 3, on a racine d'ordre np de x à la puissance p est égal. Il a fait devenir, elle dit, je rachouli. Donc, rachouli la racine n-ième de h, la racine d'ordre p de x à la puissance p. P
D'accord? خدمنا هذه. Donc c'est la racine nème ديال h. شنو هي la racine pm ديال x à la puissance p؟ C'est x. خدمنا هذه. La racine nème de x à la puissance n est égale à x. Si x est positif, هذه اللي خدمنا. Donc ce qu'il fallait démontrer. بين هذه l'égalité. Remarque, bien sûr, la racine carrée avec 2, non, ma kanch bouche parce que j'ai la racine carrée. D'accord? Ou racine d'ordre 1, il y a x, quand j'ai la racine. Racine d'ordre 1, il y a x, ma kanch dérouche, c'est une notation. D'accord? Toujours d'abord, la représentation graphique, d'yel, la fonction réciproque, d'yel, x à la puissance n, il y a la racine n de x. Amen. Je vous donne la représentation graphique, d'yel, la fonction racine n. أول حاجة كنقولوا بلي la représentation graphique d'une fonction par rapport à la représentation graphique ديال sa réciproque. Comment elles sont? Et là, on a un repère, كيفاش كيكونوا? CF ou كيفاش كيكون CF-1. Ils sont symétriques par rapport à l'axe, à ou là, la droite d'équation y égale à x. Et là, on a la représentation graphique ديال la fonction f. Donc, on va dire que f-1 est un rassemblement symétrique par rapport à la droite y égale à x. C'est la droite y égale à x. D'accord? Il a dit la fonction f de x égale à x carré en pointillé en rouge. D'accord? Donc, on a rassemblement r plus et là, on a rassemblement r comme là. Donc, on va le faire de la partie. D'accord? C'est le fort. Donc, هذه هي x au carré. أشنا هي la fonction réciproque ديالها؟ هي racine carré de x. شوفوا معايا إلا خدينا هذه هي x carré. Donc حنا قلنا غادي تكون symétrique ديالها par rapport à la droite. هي تكون هذه. هي هذه en rouge, mais ماشي en pointillé, mais en très plein. D'accord؟ شوف لا شفتوا هذه مع هذه راه ils sont symétriques par rapport à cette droite d'équation y égale à x. C'est le cas pour y égale à x au cube. راه هذه هي x au cube. En bleu, en pointillé. Donc, la réciproque de x au cube, il y a la racine cubique de x. Donc, quand je vous oublie, CF d'IL HADI, CF d'IL sa réciproque, ils sont symétriques par rapport à y égale à x. Mais il y a un chouba, il y a un y égale à x à la puissance 4. Je vais vous dire, formule par exemple, je vais vous dire, la réciproque d'IALA, à l'échoune, bien sûr, halak. D'accord? À l'échoune, halak là, ou à l'échoune, halak ta l'aim. Et là, on a dit, y égale à x à la puissance 4, elle dit, à l'échoune, y égale à la racine 4e de x. Donc, et je vais vous donner la représentation graphique, c'est que CF et CF-1, ils sont symétriques par rapport à la droite d'équation y égale à x, la première bisectrice. La première bisectrice. Je vais vous donner l'expression conjuguée. Nous avons x, quel que soit x appartenant à r+, et quel que soit y appartenant à r+, étoile. Nous avons l'égalité. Nous avons la racine cubique de x moins la racine cubique de y est égale à x moins y sur la racine cubique de x le tout au carré plus racine cubique de x fois racine cubique de y plus racine cubique de y le tout au carré. Et maintenant, quelle est la différence? On a un plus. On a un plus, on a un moins. On a un moins, on a un plus. D'abord, on va dire la démonstration. La démonstration, on est de les puissances. Je vous mets maintenant, je le cours des puissances. Je n'ai pas a moins a à la puissance 3. Moins b à la puissance 3, il y a a moins b, facteur de a au carré plus ab plus b au carré. D'accord? Donc, ab est égal à combien? Est égal ça sur ça. Il y a a au cube moins b au cube sur a carré plus ab plus b au carré. Redou le bel. Choufou hna. Choufou hedi. Et là, dina, racine cubique de x, il y a a. D'accord? Ou redit racine cubique de y,
هي ب طب ايغال ا او كوب شنو هي ا او كوب هي راسين كوبيك دو اكس الا درتي لها الكوب مشات لا راسين كوبيك بقات اكس دو ميم بور ايغريك دونك ونعوضوا لهنا هذه او كاري بلس ا بي بور ا ايغال راسين كوبيك بور بي ايغال راسين كوبيك دو ايغريك دونك تعويض تلقاو هذه العباره دو ميم بور هنا سوف كو هنا ما عندناش ا موان بي مي عندنا ا بلس بي دونك دو ميم غناخدو هذه a au cube plus b au cube درس ديال البيسانس عندنا هي a plus b فاكتور هاد المرة a كاري موان ab ماشي بلس et plus b كاري دونك غادي ناخدو ab est égal à combien هي a au cube plus b au cube le tout sur a كاري موان ab plus b carré. De même, عاوتاني الا خدينا racine cubique de x هي a و racine cubique de y هي b, il suffit de remplacer à dire هذه au cube à tous les x, b هي غدير هذه au cube à tous les y و هنايا تاخذ a au carré moins a fois b plus b au carré. هذه هي expression conjuguée. نشوفوا دابا la dernière partie ديال les racines énièmes. Un rappel, هنا نشوفوا les puissances ديال les entiers. Le cas de n appartenant à n étoile, quand on a fait le x à la puissance n, quand on a fait la puissance, il y a x fois x, bien sûr, n fois. D'accord? Pour 1 sur x à la puissance n, c'est x à la puissance moins n. C'est simple. Il a dit de montrer ce que c'est là. Il y a 1. Il a dit de montrer 1 sur x à la puissance n, il y a x à la puissance n moins 1, c'est là. 1. Il y a x à la puissance 0. D'accord? Sur x à la puissance n, on te prend x à la puissance n sur x à la puissance m, il y a x à la puissance n moins m. Donc, on conserve la même base et on soustrait les exposants. 0, on a fait n, il y a x à la puissance moins m. En fait, je finis avant de savoir. Je vais d'abord propriété, quel que soit x à supérieur ou égal à 0 pour tout entier non nul Q. Donc, on a la racine d'ordre Q. Il y a x à la puissance 1 sur Q. D'accord? C'est une propriété. Exemple, je n'ai la racine cubique. Il y a x, c'est x à la puissance 1 tiers, tout simplement. Donc, je vais d'abord la définition, je vais là-dedans, la puissance rationnelle. D'abord, on a un petit R, un rationnel, c'est-à-dire qui appartient à l'ensemble Q. Tout rationnel est écrit sous forme P sur Q avec P. C'est un entier naturel. Et Q, P, pardon, appartient à Z, c'est un entier. C'est un entier. On est au doigt, donc un diamètre, c'est un entier. Donc P appartenant à Z, c'est un entier relatif. Et Q appartient à n étoiles, d'accord? Donc il y a dit P appartenant à Z et Q appartenant à n étoiles. On pose X à la puissance P sur Q, il y a la racine d'ordre Q, parce que Q il y a déjà de tête. Il y a X à la puissance P, voilà, du coup à la puissance P. Pourquoi? Parce que je n'ai pas, un autre chose que je cherche, je n'ai pas X à la puissance P sur Q, il y a X à la puissance 1 sur Q, le tout à la puissance P. D'accord? Donne la puissance d'une puissance. A à la puissance N, le tout à la puissance M, là, il y a A à la puissance N fois M. Donc, il y a là, X à la puissance 1 sur Q, il y a la racine d'ordre Q, X, le tout à la puissance P. Donc, c'est ce qu'il fallait démontrer.